Bonjour à toutes et à tous. Quand j'étais enfant, il y a donc très longtemps, dans l'ancien monde, dans les gares et aux approches des passages à niveau, il y avait un panneau qui disait « Attention, un train peut en cacher un autre ». Et j'ai pensé à ce panneau en lisant le livre qui nous réunit aujourd'hui. Je me suis dit « Attention, un livre peut en cacher un autre ». Parce que j'ai trouvé, c'est un reproche, le seul, après il n'y aura plus de reproche, que intituler un livre « Nakba pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël », ça suggère plutôt quelque chose comme un manifeste militant, un peu froid, un peu austère. Et je m'arrête là. Et c'est pas, mais pas du tout le cas de ce livre. Au contraire, c'est un livre de dialogue entre Éléonore, ici présente, et son mari, Eitan, qui est un dialogue absolument vivant, chaleureux, entre un homme et une femme qui forment un couple en privé, mais qui sont aussi un couple militant, et qui réfléchissent à toute une série de questions absolument passionnantes, y compris pour le lecteur français, parce qu'on suit bien, parce que le dialogue est pédagogique. C'est-à-dire qu'on plonge dans les dessous d'un détachement du sionisme, d'un lent détachement progressif du sionisme, celui de Eitan Bronstein. On rentre dans la fabrication, si j'ose dire, de l'association Zochrot, elles se souviennent, qui est la première expression d'une volonté côté israélien, de juifs donc israéliens, de faire connaître ce qu'a été la Nakba à travers ses restes, ce qu'il en reste dans le paysage, y compris le paysage des villes, et pas seulement des campagnes. On a quelque chose comme une sorte de synthèse de la vision qu'ont les Israéliens, la manière dont cette vision a évolué, de la Nakba, de l'expulsion des Palestiniens en 47-49, notamment, parce que la Nakba continue encore aujourd'hui. On a aussi une enquête très surprenante. Je vous conseille de lire le livre, évidemment, mais achetez-le, hein, ne le volez pas, achetez-le, et lisez-le. Et notamment, cette enquête est très surprenante sur la vision aujourd'hui. Comment les Israéliens, les Juifs israéliens perçoivent la Nakba? C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense de prime abord. Et puis il y a un certain nombre de révélations, de faits inconnus ou méconnus en tout cas chez nous. Et notamment, moi je savais que ça existait mais je n'avais jamais lu de texte, d'une collection de témoignages considérable qui a été réalisé par des anciens expulseurs et qui existe aujourd'hui dans un lieu à Tel Aviv. Alors c'est accessible, on peut les lire, ces témoignages. Ils sont, pour les extraits qu'on en a, incroyables, mais en même temps on n'a pas le droit de les publier. C'est-à-dire c'est pour l'histoire, peut-être. Si personne n'a idée de supprimer cette base, ce qui pourrait arriver avec la radicalisation actuelle. Et ça n'est pas fait par n'importe qui, c'est fait par des gens de ce qu'on appelait le Palmar. Donc le Palmar, c'était les brigades d'assaut de gauche, donc même très à gauche, binationalistes au départ, et qui se sont transformées en quelques semaines en la force d'avant-garde de l'expulsion des Palestiniens. C'est le Palmar qui prenait d'assaut les villages, qui les faisait main basse sur les villages, et qui, le cas échéant, et ça a assez souvent tué un nombre plus ou moins important de jeunes palestiniens, pour l'exemple, pour qu'il n'y ait pas de résistance ensuite à la mainmise des forces juives, puisque ça se passe avant déjà l'existence de l'État d'Israël et donc de l'armée israélienne qui n'est créée qu'en juin 48. Or ça, ça commence à partir de novembre-décembre 47. Donc voilà, si vous voulez, un livre qu'on pourrait croire un livre froid, une espèce de manifeste, d'analyse, de livre intello au mauvais sens du terme. Et c'est en fait un livre extrêmement vivant, dont je tiens à vous dire que c'est un des livres les plus passionnants que j'ai lus sur le sujet, depuis que j'en lis parfois quelques-uns. Alors, je vous présente Éléonore. Je le fais en lisant ce qu'il y avait marqué sur la feuille. J'espère que c'est bon. L'autre jour, c'était pas bon. Je me suis fait engueuler. Bon. Non, non, c'est vrai. Parce qu'il y avait marqué que Leila Shahid était déléguée générale de l'autorité palestinienne. Non, 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 déléguée générale de Palestine, pas de l'autorité palestinienne. Donc, Éléonore Merza-Bronstein, elle est docteure en anthropologie politique, spécialiste de la question de la société israélienne contemporaine, chercheuse associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, au CNRS, et ses recherches portent sur les modalités d'une vie partagée dans la société israélienne, la fabrication d'identités reconstruites ou construites, et mobilisées, remobilisées, ainsi que la figure de l'autre comme menace. Et elle est la co-directrice de l'ONG Decolonizer. Une chose qui manque dans le livre, peut-être tu vas nous le dire tout de suite pour comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a amené à passer de Zochrot à Decolonizer? Et j'étais étonné, je m'attendais à trouver ça et je n'ai pas trouvé la réponse. C'est quand même important. Quand même, Eitan était dans cette construction de Zochrot depuis plusieurs siècles, au moins, la nuit des temps. Donc pourquoi tout d'un coup vous avez pris cette décision, ou il a pris cette décision de passer de l'un à l'autre? La règle du jeu est connue, donc tu as 25-30 minutes, et puis ensuite tu répondras aux questions, tu subiras les applaudissements ou les sifflets, voilà, ou les huées. Bref, on aura un échange, comme d'habitude, assez direct. Attention, j'ai quelques alliés dans la salle, donc si vous sortez des tomates ou des projectiles, ils se jetteront sur vous. Voilà, voilà. À toi. Merci beaucoup, Dominique. Merci à l'IREMO d'avoir pu organiser cette invitation. Je vous remercie, je vous suis très reconnaissante de venir. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité. Il y a beaucoup d'événements. Ce n'est pas à Dominique qu'on l'apprendra, sur la Palestine. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici avec Dominique, et je suis évidemment ravie d'entendre que c'est un des livres les plus passionnants qu'il ait lu, parce que quand ce livre est sorti en France, je reviendrai dessus, mais il est d'abord sorti en hébreu, et il a suscité beaucoup moins de réactions épidermiques, on va dire, qu'en France, et ça dit aussi beaucoup sur la construction de ce qu'est Israël pour le corps, je parle de corps politique évidemment, des juifs. Alors moi, j'utilise pas le terme juif en diaspora ou juif diasporique, parce qu'utiliser ce terme-là, ça veut dire reconnaître la centralité d'Israël, et c'est pas mon cas en tant que juive antisioniste, par exemple. Et donc il y a eu des volées de bois, et notamment un monsieur de notre camp qui m'a dit « Ah, moi, ce livre, il va rien m'apprendre parce que j'ai lu Dominique Vidal. » Alors peut-être qu'il apprendra finalement 2-3 choses dans cet ouvrage. Merci. Alors pour certaines et certains d'entre vous, on s'est déjà croisés, donc je dirais quelques mots sur Decolonizer, l'ONG qu'on a créée, parce que c'est pas vraiment le but, mais ça va répondre aussi à la question de Dominique du passage de Zochrot à Decolonizer. Zochrot, c'est une organisation qui a été créée par Eitan en 2000, et elles se souviennent de quoi? Évidemment, elles se souviennent de la Nakba. La Nakba, c'est un trou noir de notre histoire coloniale, Et je le dis dès le départ, en fait, les Israéliens sont comme vous, les Français. Ils préfèrent se raconter une histoire glorieuse, une histoire d'indépendance, plutôt qu'une histoire coloniale. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans vos plaies, mais la façon dont la guerre d'Algérie et la colonisation est racontée et étudiée en France révèle aussi ce genre d'inconfort face à la mémoire coloniale. On reviendra dessus. Alors, j'ai Decolonizer, on l'a créé avec Eitan il y a 3 ans maintenant, et l'idée de Decolonizer était de créer un centre, enfin parce que c'est toujours ce qu'on fait, un centre de recherche alternatif sur Israël-Palestine, depuis le terrain, et animé par des militants anticolonialistes. On reviendra aussi sur ce que ça veut dire d'être un militant anticolonialiste en Israël, parce que quand on est juif, israélien, blanc, la question de la blancheur politique, c'est quelque chose qui traverse aussi beaucoup les débats de la société israélienne et qui a de l'importance. C'est avoir des privilèges, et c'est comment se servir de ces privilèges pour, en fait, mettre la lumière sur une cause politique et pour la lutte pour la justice, parce que je rappelle que la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien est une lutte pour la justice. Alors, Decolonizer, c'était la rencontre de 2 sphères qui, en général, ont du mal à dialoguer. Et Dominique en sait quelque chose puisqu'il a été un des premiers à fournir des outils rigoureux, scientifiques, académiques, avec un agenda politique derrière. Puisque, il l'a rappelé, moi je suis anthropologue du politique, je suis chercheur associé au CNRS, donc en fait chercheur associé au CNRS, ça veut dire rien, hein, c'est-à-dire que le CNRS ne me paye pas, j'ai le droit glorieusement d'ajouter le sigle du laboratoire auquel je suis rattachée à côté des articles que j'écris, mais en général maintenant je signe Decolonizer. Et pendant toute ma carrière d'anthropologue politique, travaillant sur la société contemporaine israélienne, on m'a dit: Éléonore, tu es quand même un peu trop militante pour être une chercheure, vraiment, vous avez une chercheure cachère, on va dire. Et de l'autre côté, on me disait: Éléonore, tu es quand même un peu trop anthropologue, c'est-à-dire in fine un peu chiante, pour être une militante honnête et sincère. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre de devoir justifier ça. Je pense, moi, je ne crois pas qu'il y ait une recherche objective, surtout pas en sciences sociales ou en sciences humaines. Personne ne décide de travailler sur Israël ou Palestine par hasard. Tout le monde vient avec un agenda politique. Et puis il y a ceux comme nous qui ne nous en cachons pas et ceux qui prétendent avoir une objectivité absolue sur un conflit majeur qui secoue le monde et qui secoue aussi la société française. Il y a une passion française pour Israël, Palestine, qui est liée à beaucoup de choses. Dominique en parlerait évidemment bien mieux que moi. Je pense qu'on peut la résumer à 2 choses. D'abord, la France accueille la communauté juive la plus importante d'Europe et aussi la communauté musulmane la plus importante d'Europe, et avec lesquelles elle entretient, pas de chance, un rapport colonial et mémoriel doublement problématique. Je rappelle quand même que la France a donné ses juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a quand même une culpabilité intense et souhaitable, hein. C'est-à-dire que je souhaite que cette culpabilité marque les mémoires, parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Et avec la population musulmane en France, essentiellement d'Afrique du Nord, elle a cette relation extrêmement tendue d'une société qui se définit comme une société post-coloniale, mais qui en fait a un présent absolument colonial à plein de niveaux de répercussions de ce rapport avec les populations racisées en France, par exemple. Alors, Zochrot, Decolonizer. Decolonizer, ça a été une espèce de branche, de continuité naturelle de Zochrot, puisque Zochrot se concentrait sur l'éducation du public juif israélien à la Nakba, et que, en affinant nos recherches, pour nous, il nous semblait plus possible de travailler dans un cadre qui isole en fait la Nakba comme objet politique, puisque pour nous, la Nakba, alors la Nakba, c'est un mot arabe qui signifie catastrophe et qui désigne l'expulsion de 750 000 Palestiniennes et Palestiniens en 1948 et la destruction de 615 localités dans le but de créer en Palestine historique un État juif. Et cette Nakba, on n'est évidemment pas les seuls à avoir cette lecture, on ne peut pas l'appréhender comme un événement isolé, c'est un épisode, l'épisode le plus violent sans doute, le pic d'un projet colonial qui a commencé à la fin du 19e siècle et qui continue jusqu'à présent. Donc à Decolonizer, c'est un peu de cette cette chose qu'on s'est émancipée pour avoir un continuum historique. Et donc on travaille à ce titre-là sur la Nakba, mais aussi sur les premières migrations sionistes. Est-ce que c'est venu déranger du vivre ensemble, hein ? Il y avait une présence juive en Palestine qui était historique, et le sionisme va venir transformer, ça va être la première victoire du sionisme, elle va venir transformer ces populations juives qui étaient indigènes, elle va venir faire d'eux des colons, parfois malgré eux. Et donc c'est surtout ce rapport d'Israël comme société coloniale qu'on travaille donc à Decolonizer. Pourquoi Decolonizer et pas anti-colonizer, par exemple? Parce qu'avec le décolonialisme, on ne prétend pas que le problème, c'est les autres. Voilà. Eitan, moi, d'autres, on fait partie nous-mêmes du problème. On est nous-mêmes porteurs de ces privilèges. On est nous-mêmes des colons. C'est pas une identité très positive, mais pour reprendre les termes d'Albert Memmi, on est des colonisateurs qui refusons d'être des colonialistes, je crois. Ah, Albert Memmi, c'est un peu notre France Fanon à nous, les Juifs d'Afrique du Nord. Moi, je le cite tout le temps. Donc voilà, ça c'est un peu pourquoi pourquoi Decolonizer a été une suite logique pour nous de Zochrot. Alors justement, ça me permet de vous présenter un petit peu Eitan, qui est pas là aujourd'hui, qui vous transmet toute son amitié, parce que ce livre, je ne l'ai pas écrit toute seule. Comme vous le savez, c'est un dialogue avec Eitan. Eitan, il a une histoire passionnante, en fait. Et son histoire personnelle, c'est agit comme un fil conducteur dans tout le livre. Dominique l'a dit, c'est une histoire lente de désionisation, on va dire, enfin de sortie du sionisme. On a une amie, Tal Dor, qui a fait des recherches et qui explique comment on sort du placard sioniste, un peu comme les communautés LGBTIQ+, peuvent sortir aussi du placard. Bah, elle est une sortie du sionisme parce que être sioniste, en fait, chez beaucoup de juifs, c'est devenu la norme. Et donc, certaines de mes amies présentes dans cette salle le savent, ne pas être sioniste quand on est juive, c'est aussi se soumettre à une violence des discussions familiales ou des violences des discussions communautaires. Et des fois, on n'est pas toutes armées ou tous armés pour y répondre. En fait, c'était important pour nous de revenir sur ce parcours qui a transformé Eitan, jeune sioniste de gauche. Alors, j'avais un premier petit pic. À l'époque, il ne voyait pas la contradiction entre être sioniste et de gauche. Mon pic est terminé. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a aucun jugement de notre part. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, je ne suis pas sioniste en juive en 2018 parce que ce qui est fait au nom de ce projet colonial, en mon nom, ne me convient pas. Mais si j'avais été, je me garderais bien de porter un jugement moral sur les gens qui sont venus. Moi, si j'avais été rescapée en 1945, je serais sans doute... Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Je serais sans doute venue en 1948 avec cet idéal et en niant complètement la présence palestinienne. On ne sait pas ce qu'on aurait pu. C'est facile de reconstruire a posteriori les figures de traîtrise, de morale, de bien et de mal. Moi, j'essaie de ne pas porter de jugement là-dessus. Mais je sais que ce projet colonial qui est mené en mon nom me laisse finalement, à moi en tant que juif, très peu de choix. Le sionisme, à nous, juifs, nous laisse peu de choix. Soit on est d'accord avec ce qui est fait, auquel cas bah, c'est très bien, hein, parce qu'on n'a rien à dire, on n'a pas de livre à écrire. Soit on n'est pas d'accord, mais on dit rien. Et moi, j'ai un grand-père qui m'a appris que la collaboration passive, c'était quand même de la collaboration. Soit le troisième choix, qui en fait est un deuxième choix, c'est le choix d'être vocal et de dire pas en mon nom. Qui est d'ailleurs quelque chose qu'on demande beaucoup aux musulmans de France. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à Bagdad, on leur demande à eux, citoyens français en France, de dire ah, pas en mon nom, quoi. Comme si ils avaient quelque chose de. Enfin, c'est quand même une essentialisation qui est assez problématique, et on pourra revenir sur l'essentialisation des juifs aussi. Juif égale Israël égale sioniste. Je pense qu'on faisait le même travail rhétorique il y a 15 ans sur musulmans, islam, islamiste en fait. Enfin, juste les curseurs changent, mais les enjeux rhétoriques sont parfois un peu similaires. Alors, c'est important pour nous de parler de l'histoire personnelle d'Eitan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle montre, ce parcours, il dit qu'on, d'abord, on ne naît pas toutes et tous militants. On peut par exemple, comme Eitan, faire l'armée, une armée d'occupation. On peut se rendre compte des choses qu'on a fait, et on peut changer aussi. On n'est pas figé dans des identités collectives, fussent-elles d'occupants ou de colons. Et c'est, je pense, important de revenir sur ces parcours, parce que le travail de Decolonizer, il est essentiellement de décoloniser notre propre identité collective coloniale. Ça a été quelque chose de très important et dans ce livre et dans le militantisme qu'on a depuis 15 ans, 20 ans, dans la fondation de Zochrot, puis celle de Decolonizer. Nous, on est des militants anticolonialistes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas au nom des Palestiniennes et Palestiniens. Les Palestiniennes et Palestiniens ne nous ont pas attendus pour connaître leur histoire, pour connaître la Nakba qu'ils ont vécue dans leur chair. Ils ne nous ont pas attendus pour la diffuser, pour collecter des témoignages et surtout, ils ne nous attendent pas pour élaborer leur stratégie de résistance. Ce n'est pas à l'opprimé, au colonisé, ce n'est pas à lui de faire le travail d'éducation du colon ou de l'occupant. Et donc, nous, notre travail, il a été de nous éduquer, de faire des recherches, de remettre en cause ce qu'on avait appris à l'école, parce que 48, à l'école en Israël, c'est pas la Nakba. 48, c'est l'indépendance. Et d'ailleurs, ça vient marquer quelque chose de très important dans la construction identitaire collective israélienne, qui est, si je peux dire, qui s'organise autour d'un triptyque qui est, à mon sens, très intéressant. Et ce triptyque, il est matérialisé par les trois fêtes nationales parmi les plus importantes. C'est d'abord la destruction, symbolisée par les commémorations de Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah, le sacrifice qu'on commémore le jour d'après par Yom HaZikaron, le jour du souvenir des soldats tombés pour nous protéger. Et enfin, la boucle est bouclée avec Yom HaAtzmaout, le jour de l'indépendance. Donc destruction, sacrifice, renouveau. Ce triptyque, il vient marquer en permanence, il vient rappeler aux Israéliens l'obligation de sacrifice perpétuel, puisque ce qu'on apprend à l'école, c'est que sans armée forte, il va y avoir une nouvelle Shoah. Donc l'armée d'ailleurs vient faire des piqûres de rappel à l'école, au jardin d'enfants, pour élever des enfants dans le système israélien, je peux vous en parler, vos enfants peuvent revenir et dire bah, pour demain, il faut acheter des bonbons. Alors pour ceux qui connaissent un peu les écoles, c'est un peu bizarre, quand les instituts ne demandent pas souvent qu'on ramène des bonbons. Alors pourquoi? Parce qu'on va envoyer des colis aux soldats pour les remercier de nous protéger. Alors on a des mômes de 3 ans qui écrivent, ils se voient assigner un soldat, en plus avec un nom, donc il y a quelque chose de personnifié dans les relations. Alors cher David, j'espère que ton char est beau, merci de nous protéger, des mots d'enfant. Des mots d'enfant. Et l'armée vient rappeler avec des pères, surtout parce qu'il y a un côté éminemment viriliste dans toute cette identité militaire. Alors vous voyez des jeunes avec des ouzis partout, vous allez acheter du pain, il y a 3 mecs avec des ouzis. C'est quand même une violence symbolique, visuelle, un champ visuel extrêmement violent et extrêmement militarisé. Et puis donc les pères sont très fiers pendant les réserves, leur milouim, parce que vous savez qu'en Israël, on est soldat officiellement 3 ans, mais en fait, il y a un adage israélien qui dit qu'on est, que les citoyens israéliens sont des soldats en permission, en fait. Puisqu'après 3 ans d'armée, vous restez réserviste, vous faites les milouim, les réserves, jusqu'à à peu près 50 ans. 45, enfin, ça dépend peut-être des unités ou des... Ça veut dire que toute la société est organisée de façon à ce que 1 mois par an, vous quittez votre travail, vous êtes payé et vous venez vous former, vous venez former les jeunes, vous venez vous maintenir en condition physique. Et alors les jardins d'enfants, les écoles sont pleines de ces pères qui viennent chercher leurs enfants fièrement à la fin des milouim en uniforme, avec des images d'enfants qui, le jour de la fête du souvenir, font des saluts à l'âge de 3 ans. Alors c'est complètement aberrant, mais c'est en fait le poids qui est mis sur les épaules de chaque enfant à qui on dit, moi on a dit à ma cousine, tu te rappelles où mamie est morte, tu te rappelles où papy est mort, si tu ne veux pas que ça recommence, nous n'avons pas d'autre choix que de nous protéger. Et comment on se protège? Par une armée forte. C'est comme ça que c'est ça. Donc, Eitan, il est aussi le fruit de ça. Moi, j'ai un parcours qui est très différent. Moi, j'ai une mère juive algéro-alsacienne qui n'est pas sioniste et un père musulman syrien expulsé des plateaux du Golan. Ils sont tous les deux militants communistes. Donc, j'avais toute la checklist de la militante. Je suis née militante, en fait. Je n'ai pas été en rébellion contre mes parents, contre ma famille. Et je le dis parce que, contrairement à Eitan, moi, j'ai pas eu à me battre en fait, contre ma propre société, contre mon milieu, pour peu que le mot milieu veuille dire quelque chose. Alors, ce livre, il est construit comme un dialogue entre Eitan et moi, et c'est un dialogue qui vient interroger nos propres postures de chercheurs, de militants, de juifs dans la lutte du peuple palestinien, parce que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait interroger. Est-ce qu'il y a de la place pour le colon dans la lutte indigène, décolonisée? Et en fait, l'histoire nous rappelle que, y compris en Algérie, il y avait des juifs dans le mouvement, des juifs anticoloniaux qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. En Afrique du Sud, il y avait des blancs qui faisaient partie des réseaux de solidarité. Alors après, l'alliance politique et le travail de solidarité, c'est pas exactement la même chose, mais c'est des choses qu'on pourra réinterroger. Il y a toujours, dans les situations coloniales ou d'oppression, des groupes privilégiés, dans le groupe privilégié, de majoritaires qui, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, parce que moi je crois que le militantisme, ce n'est pas que de l'altruisme, c'est aussi pour se sentir mieux soi, et c'est quelque chose qui est très important pour nous à Decolonizer, parce qu'on essaie de convaincre la société israélienne qu'elle a un intérêt à la décolonisation. C'est pas que pour les Palestiniens, évidemment que c'est un devoir de justice qui doit être fait pour les Palestiniens, mais c'est aussi un devoir pour les Israéliens, s'ils ont envie un jour d'imaginer pouvoir élever leurs enfants sans avoir à les envoyer 3 ans faire l'armée. Parce que, Henri Laurence le disait très bien, il n'y a pas d'occupation pacifique. Ça n'existe pas. L'occupant, le colon, paye toujours un prix de sa participation au projet colonial ou au projet d'occupation. Encore une fois, les Français sont bien placés pour le savoir en Algérie. Alors ce livre, il revient aussi sur l'histoire d'un mot. C'est pas un livre sur la Nakba. C'est un livre sur la Nakba en Israël, sur le sentiment israélien, sur la psyché collective israélienne face à ce mot, ce trou noir de la mémoire coloniale, qui n'est pas enseigné, qui n'est toujours pas enseigné, qui est encore parfois nié, même si je crois qu'il est aujourd'hui, en 2018, plus facile de parler de la Nakba en Israël qu'en France. Étrangement. Je dis souvent, Israël est un État démocratique, virgule, pour les Juifs. Donc à ce titre-là, on a encore ce qu'on appelle le luxe, le privilège de la radicalité, en fait, et donc on peut organiser des débats publics, des événements, des performances artistiques où on utilise le même vocabulaire que celui que j'utilise ici dans la rue israélienne. Et je vous invite à regarder la chaîne, notre chaîne YouTube. Vous y verrez pas mal de petits films d'action qu'on a tournés. Ils sont sous-titrés en français. Et vous verrez des choses surprenantes. C'est-à-dire qu'il y a encore des espaces pour discuter. Et ces espaces, ils tiennent à une chose, à mon sens, c'est l'identité juive israélienne de Decolonizer. Ce sont des juifs israéliens qui s'adressent à d'autres juifs israéliens. Si un Palestinien vient raconter sa Nakba, son traumatisme, le réflexe pavlovien israélien va dire « non mais c'est son histoire, de toute façon il est contre nous, évidemment il y a un duel de narration et puis c'est pas notre narration ». Quand c'est des gens de la famille, entre très très gros guillemets, ça devient plus difficile de faire appel à ce ressort-là, mais c'est aussi ce qui déclenche des réactions d'une extrême hostilité, puisque ce sont des membres du groupe qui trahissent le groupe. C'est comme ça que c'est présenté. Et c'est aussi l'intérêt pour nous de publier, malgré l'interdiction, les témoignages des combattants du Palmar. Les combattants du Palmar, c'est un statut intéressant. Tu as parfaitement fait de rappeler que c'était en fait les plus à gauche des milices qui allaient composer de Tsahal en 1948. Et c'est intéressant de le rappeler parce que y avait des milices d'extrême droite, comme l'Irgun, les Tsel, qui ont commis des massacres. Et ces massacres-là, ils ont été reconnus par l'establishment sioniste. Par exemple, le massacre de Der Yassin a été reconnu par Ben Gourion immédiatement. Pour deux raisons. D'abord parce que ça arrangeait que la peur autour se propage, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les villages autour de Der Yassin, après le massacre, de peur que ça recommence, les gens ont fui. Et aussi, ça a permis d'absoudre les nôtres. Le mauvais garçon de la famille est responsable, mais les bons fils de la patrie, parce que les palmachnikim, c'est ça, ce sont les grands-pères de la nation, ceux à qui on doit notre indépendance, alors qu'on sait, en regardant les archives du Palmar, qu'il y a eu des vols, des pillages, des expulsions évidemment, des viols, et c'est quelque chose qui avait d'abord été outé, on va dire, par le Haaretz, par un article du Haaretz, et qu'on est venu confirmer avec l'étude de ces archives. La façon dont on s'en est sorti légalement, c'est qu'on a anonymé, on n'a pas mis les noms des combattants qu'on cite. On a juste utilisé les initiales. On a eu plusieurs raisons. En fait, on nous a expliqué pourquoi ces archives ne sont pas publiables. Elles sont consultables mais pas publiables. Un jour, il faudra les publier, c'est-à-dire que face à un tribunal, il faudra publier ces noms pour un vrai travail de reconnaissance. Je ne pense pas que ce soit notre travail maintenant. Et les gens nous ont dit, les gens sont soit morts, donc ils ne peuvent pas répondre, soit ils sont très vieux et on a peur que ce soit dur pour leur famille d'entendre ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est quand même plus facile d'avoir une figure du bourreau qui n'est pas dans sa famille. C'est plus facile, je rappelle que les Françaises sont tous réveillés résistants en 1945, par exemple, et que dans plein de familles, le rôle de la collaboration dans la famille est absolument tu non, les collabos, c'était les autres, nous, on était résistants. Ben, en Israël, c'est pareil. Il y a aussi, tout le monde se préfère résistant à bourreau. Alors nous, le travail a été vraiment, et continue à être de convaincre les Israéliens que la Nakba n'est pas qu'une histoire palestinienne. La Nakba est une histoire israélienne aussi. C'est pas que l'histoire de ses victimes, c'est l'histoire de ses bourreaux aussi. Et en tant que juive, la Shoah, l'histoire de la Shoah, c'est pas qu'une histoire juive pour moi. C'est une histoire universelle bien évidemment, mais c'est une histoire de la France, c'est une histoire de la collaboration, c'est une histoire de l'Allemagne, c'est une histoire aussi nazie, et en fait, on ne peut pas résumer une histoire qu'à l'histoire de ses victimes. Et tout le travail qu'on fait à Decolonizer, il est d'arrêter, d'essayer de mettre des failles dans ce « eux » contre nous, qui est fondateur de l'identité collective en Israël. Donc, si on reconnaît leur Nakba, c'est nier un petit peu, dénier, en tout cas réduire le poids de notre Shoah. Si on leur accorde le droit au retour, ils vont nous jeter à la mer. C'est toujours de ces façons extrêmement contradictoires que les choses sont présentées au débat dans la société israélienne. Et c'est aussi ce qui explique, je reviendrai dessus, les taux très surprenants, les réponses très surprenantes des sondages qu'on a eus. Pour ce livre, on a effectué un sondage d'opinion auprès d'un institut de sondage, donc c'est pas nous qui l'avons fait, on a payé pour un sondage. Alors vous savez, les instituts de sondage, ils utilisent des panels représentatifs de la société, donc c'est 500 juifs israéliens, j'insiste sur le fait qu'ils sont tous juifs, de différentes catégories socioprofessionnelles, de lieux, d'âge, de genre. Malheureusement, comme on est dans un monde binaire, deux genres sont reconnus seulement. Donc bon, il y a tout un tas de critères qui fait que on est censé avoir un panel représentatif de la société israélienne et on les a interrogés sur ce qu'ils savent de la Nakba, ce qu'ils pensent de la Nakba, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot Nakba et puis quel est leur sentiment sur le droit au retour. Et le sentiment sur le droit au retour, il est compliqué parce que c'est le point vraiment qui vient comme un rejet immédiat des Israéliens. Parce que reconnaître la Nakba, la responsabilité coloniale, c'est déjà très compliqué mais ça appartient au passé. Le droit au retour des réfugiés, c'est l'actualité coloniale en fait de cette Nakba. Dominique l'a bien rappelé, la Nakba n'est pas terminée, c'est un projet qui continue et dont le premier pas pour le reconnaître sera de reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens et de leurs descendants qui ont été expulsés en 1948. J'ajoute qu'à à titre politique, Decolonizer soutient le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens et de tous leurs descendants, et pas l'acceptation un peu gauche-sioniste du droit au retour qui serait qu'on peut en accepter un certain nombre dans une certaine limite chaque année. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on est allé leur demander leur avis. Et d'abord, on s'est rendu compte, alors attendez, j'ai les chiffres ici, que un peu plus de 55% des Israéliens connaissaient, non seulement connaissaient le mot Nakba, mais y mettaient une signification proche. Voilà. Alors, pour reprendre les mots qui sont sollicités par les sondés, c'est quelque chose qui a à voir avec le conflit et avec les Arabes. C'est quelque chose qui est aussi lié aux destructions et au traumatisme. Ce sont les mots qui reviennent dans l'analyse des 500 réponses qu'on a eues. Alors, on a eu une réponse complètement... la Nakba, c'est une crème pour le visage. Je crois qu'il avait confondu avec Nivea. Mais à part ça, on a eu des réponses qui nous-mêmes nous ont montré. C'est énorme. Je rappelle qu'on n'enseigne pas la Nakba, qu'il y ait une loi Nakba qui empêche les commémorations de la Nakba le jour de l'indépendance, puisque, rappelez-vous de ce triptyque, il est inconcevable de porter le deuil, de commémorer une catastrophe le jour de notre naissance. C'est un antagonisme trop violent pour la psyché israélienne actuellement. Donc ces Israéliens, dans leur majorité, même si c'est une petite majorité, savent ce qu'est la Nakba, et je donne toujours le même exemple, mais je crois qu'il est très parlant, de comment ce mot qui n'existait pas sur Google il y a 15 ans, hein, vous tapiez Nakba, il n'y avait rien il y a 15 ans, c'est devenu un mot du vocabulaire courant israélien. Donc par exemple, vous avez une émission qui est un peu l'équivalent des guignols de l'info, où le présentateur va parler, va utiliser le mot Nakba, pour quelque chose qui a à voir avec les Palestiniens en plus. Hein. Et l'exemple que je donne toujours, mais qui est tellement parlant, je ne sais pas à quel point vous connaissez la société israélienne, mais il y a une équipe de basketball très connue qui s'appelle l'Hapoel Tel Aviv. Et l'Hapoel Tel Aviv, c'est le club mythique de basket de Tel Aviv, et ils avaient le stade mythique de l'Hapoel qui se trouve dans le nord de Tel Aviv. Depuis, peut-être pas depuis 49, mais presque. Enfin, vraiment, c'est un stade historique. Et les prix de Tel Aviv devient tellement gentrifié, les prix sont tellement hauts que la municipalité décide de se débarrasser de ce vieux stade pour construire des tours avec des apparts de luxe. Parce que en Israël, contrairement à la France, la tour est le symbole de la réussite. Alors si plus vous habitez haut, plus c'est super. Parce que c'est aussi le confort moderne des immeubles avec des ascenseurs, etc., etc. Et donc, l'État, la municipalité, décide de se débarrasser de ce stade. Levée de bouclier de tous les fans de l'Hapoel Tel Aviv, levée de bouclier de la télévision israélienne en masse, c'était hyper impressionnant, tout le monde était là, et le chef des fans, je ne sais pas comment l'appeler, donc le chef des fans déclare « Aujourd'hui, pour les fans de l'Hapoel Tel Aviv en prime time à la télévision, c'est une Nakba. » Alors évidemment, qui dénature le sens du traumatisme palestinien. Mais ce jour-là, cet homme vit un événement, je pense, qui est réellement traumatique pour lui, et il fait appel à ce vocabulaire spécifique, qui est un vocabulaire traumatique, pour parler de son propre traumatisme. Et ça en dit long sur la façon dont le mot a réussi à entrer dans la société israélienne. Et pour cet ouvrage, on est revenu sur une périodisation de ce terme, qui d'ailleurs a été... ce chapitre, c'est une forme remaniée d'un article qui avait été publié sur Orient 21 par Eitan et moi-même. Et on a fait une périodisation que je vous ai un peu résumée pour vous montrer que le terme Nakba n'a pas toujours été en fait tabou dans la société israélienne. D'abord, aussi surprenant que ça puisse paraître, les premiers à utiliser le mot Nakba, c'est pas Constantine Zourik dans Almana al-Nagba, le sens du désastre, qui en général c'est un théoricien libanais qui a été le premier à populariser le mot Nakba, puisqu'il écrit dans son ouvrage « La défaite des Arabes en Palestine n'est pas simplement un retour en arrière ou une atrocité temporaire, c'est une Nakba au sens vrai du terme ». Et à ce titre-là, il s'adresse aux Arabes du Proche-Orient, il les exhorte à réagir au désastre qui s'est abattu sur les Palestiniens. Ça, c'est à Beyrouth en août 48, et un mois avant, en juillet 48, les premiers à utiliser le mot Nakba en arabe et dans un arabe excellent, ce sont les forces d'occupation, d'expulsion israéliennes. Ils lancent par tract à la population de Tirhat Haïfa, dans le nord, qui résistait à l'occupation, ils lancent un tract qu'on a traduit. Le tract, et vous avez une photographie du tract dans le livre. Dans un arabe excellent, les militaires exhortent les Palestiniens à se rendre en ces termes. Si vous voulez échapper à la Nakba, éviter un désastre, éviter une inévitable extermination, rendez-vous. Ce sont les premiers à utiliser ce mot. Et en novembre 48, on est vraiment encore au cœur des événements. En novembre 48, il y a un poème de Nathan Alterman, qui est un des grands poètes de la littérature hébraïque, qui s'appelle Alzot. Alzot, ça veut dire à propos de ceci. Et ce poème, pardon, il est publié dans le journal Davar, et il décrit le massacre, clairement. Il décrit le massacre de Palestiniens sans défense. Il décrit le sang qui gicle sur le mur de la tête d'un homme qui n'a pas eu le temps de se protéger. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que Ben Gourion, qui est alors Premier ministre, ordonne la diffusion de ce poème aux 100 000 soldats de Tsahal. De 48 à 52, c'est la naïveté qui prévaut dans le discours sur la Nakba. Le terme n'est pas utilisé comme tel en hébreu, mais on parle des événements de 48 sans filtre narratif, sans sublimation, sans filtre narratif. Les choses vont vraiment évoluer. Le temps va passer, la mémoire de 48 va se faire plus lointaine, puisque la nouvelle nation, elle travaille aussi à sa propre construction, à l'intégration de ces nouveaux arrivants juifs qui viennent de partout dans le monde. Je rappelle qu'il a fallu créer une nation au sens contemporain du terme, avec des gens qui venaient du Yémen, de Pologne, des riches, des pauvres, et qu'on leur a dit « vous allez devenir des Israéliens ». Il va falloir créer une identité collective. Alors c'est très compliqué, une identité collective. Les Français le savent aussi. Hein. Je rappelle que quand Brice Hortefeux a voulu déclarer ce qu'est l'identité nationale en France, ça a soulevé aussi beaucoup de débats sur qu'est-ce que ça veut dire d'être Français. Bah, les Israéliens, comme tout peuple national, comme toute réalité nationale, a des difficultés à créer une identité collective. Et le meilleur moyen, en France comme en Israël, de créer une identité collective avec des gens très différents, avec des rapports de classe très différents, c'est d'avoir une figure de l'ennemi, une figure de l'autre. Alors, en France comme en Israël, c'est l'arabe, d'ailleurs, parce que l'islamophobie fait son travail de façon très différente, mais bien partout. Et donc, j'ai un collègue qui me disait... Éléonore, tant qu'on fait la guerre aux Arabes, on ne se fait pas la guerre entre nous. Et il avait très bien résumé, en fait, quel est l'intérêt à maintenir une société dans un état de guerre permanent et à maintenir la peur. Et donc, ça va venir aussi dire beaucoup sur comment les mots Nakba palestiniens vont être mis de côté pour être remplacé par un vocabulaire du terrorisme, qui est un vocabulaire à la mode en ce moment, de la radicalisation. Donc, par exemple, on va parler des marches du grand retour à Gaza comme des marches terroristes de gens qui veulent venir nous poignarder. C'est quand même des raccourcis intéressants. Alors, le temps va passer et on va identifier une stratégie très différente. Ceux qu'on appelait les réfugiés vont devenir des infiltrés. Et il y a un monde qui sépare les réfugiés, qui sont des indigènes qui cherchent à revenir chez eux, d'un infiltré avec toute la charge illégale et dangereuse que ça suppose. De 67 à 85, on a appelé ça priorité à l'occupation. Et en fait, on devrait dire priorité à la seconde phase d'occupation, puisque pour Decolonizer et pour bien d'autres, l'occupation n'a pas commencé en 67, mais en 48. Et là, ça va être quelque chose de très important, puisque la guerre des 6 jours va offrir la plus grande expansion territoriale à Israël. Son territoire est 4 fois plus vaste qu'avant-guerre. Et la Nakba va disparaître complètement des nouveaux fronts géopolitiques qui ont été ouverts par cette expansion territoriale. Le terme d'occupation, d'ailleurs, va devenir un terme exclusivement réservé à l'occupation de 67, et c'est d'ailleurs une vision que la gauche sioniste continue à avoir. On fait un très grand saut dans le futur, parce que d'abord j'ai envie que vous lisiez le livre et que je ne vais pas spoiler tout le livre, mais il a fallu attendre 2000 pour qu'une organisation israélienne, juive israélienne, voit le jour en Israël, Zochrot, et qui se destine à l'étude, l'éducation en hébreu de la société juive israélienne à la Nakba. Zochrot, c'est une poignée de militants qui, par un langage politique, qui par une constance politique, par un engagement quotidien, a réussi à faire de la Nakba un objet politique tellement important. On pourra dresser des parallèles avec ce que signifie le BDS, par exemple, en Israël. D'un objet qui n'était rien, c'est devenu un concept politique qui fait tellement peur que l'État d'Israël est obligé de se cadenasser d'un arsenal légal pour empêcher les commémorations. Et juste, je finirai sur ce livre, en fait, qui a d'abord été publié en hébreu, sur un peu une toute petite histoire de ce livre en hébreu. On a fait un premier événement, un lancement du livre à Tel Aviv. Alors c'était super sympa, mais on était entre copains, quoi. Il y avait toute la gauche radicale était là, on s'est embrassés, on s'est signé les livres, c'était très très sympa. Mais c'est pas exactement notre travail. Notre travail, il est d'aller au-delà des sphères militantes dans la société israélienne. Et donc, on a décidé avec Eitan d'organiser différents événements à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv, un peu partout où on pouvait. C'est là que les ennuis ont commencé, on va dire, puisqu'on a, on s'est adressé à une centaine de lieux. Et les réponses étaient toutes les mêmes. Ah non, non, mais là, on n'a pas le temps. On est super chargé en ce moment. On n'a pas le temps. Et puis, dans ces refus constants, on a eu deux réponses. Une réponse d'un institut à Haïfa qui, depuis, est revenu sur sa décision, qui a été remplacée par un événement chez des gens à Haïfa, qui ont dit bah, « D'accord, nous, on ouvre notre salon à cette discussion », et un événement à Jérusalem. Jérusalem, dans une galerie qui s'appelle la Galerie Barbur. Et cette Galerie Barbour nous dit bah, « Très bien, nous, on met à disposition la galerie. Par contre, vous chargez, c'est vous qui organisez ça. » Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que la Galerie Barbour a son propre réseau, sa propre newsletter. Enfin, c'est pas notre milieu. C'était une grande victoire pour nous. Miri Regev, vous connaissez Miri Regev? Miri Regev, c'est notre ministre de la Culture. Alors, Miri Regev, elle est tellement d'extrême droite qu'elle ferait passer Marine Le Pen pour une socialiste. Voilà, c'est vraiment c'est extraordinaire. Et alors Miri Regev, elle a deux chevaux de bataille. C'est la loyauté à l'État juif. Il faut être loyal à l'État juif, donc reconnaître Israël que comme État juif. Le côté démocratique étant mis de côté maintenant ouvertement avec la loi État-nation. Hein. C'est venu, mais en fait c'est venu dire ce qu'était la réalité sur le terrain, c'est venu légaliser ça. Et la Nakba. La Nakba, c'est le cheval de bataille de Miri Regev. Et donc, Miri Regev apprend qu'un événement sur un livre sur la Nakba en Israël a lieu dans une galerie qui a des subventions de la municipalité. Catastrophe, Nakba. Hein. Et donc, Miri Regev intervient elle-même. Et je suis très fière de vous dire que ce livre a été traîné en justice 2 fois. Par Miri Regev, qui en alliance avec Nir Barkat, le maire de Jérusalem, nous a assigné à justice pour interdiction de l'événement. Au nom de la loi Nakba, je rappelle que la loi Nakba dit il est interdit de commémorer la Nakba le jour de l'indépendance. La justice a débouté la ministre et le maire puisque ce n'était pas le jour de l'indépendance. Miri Regev, n'étant pas satisfaite de cette décision, va à la Cour supérieure. Il y a 3 systèmes, il y a la Cour supérieure et la Cour suprême. Nous sommes le jour du lancement à la Cour supérieure et le juge reconfirme qu'en fait, ça ne tombe pas sous le coup de la loi Nakba. L'événement a eu lieu. Je suis un peu moins fière de vous dire que depuis, la Galerie Barbour lutte pour sa fermeture annoncée, qui n'est pas uniquement liée à ça, mais qui dit aussi beaucoup de l'engagement d'un éditeur ou d'un lieu pour publier ce genre de livre. C'est pas si courant. Et je pense que ça vous donne un bon exemple aussi de la façon dont cette loi Nakba, elle est sans cesse, on essaie sans cesse d'élargir l'application de ses effets sur le terrain, car le but est évident. Il est de réduire à silence une historiographie différente. Il est de réduire à silence les gens qui diraient « Mais attendez, 48, il y a peut-être des narrations différentes, puisque il faut une mémoire juive, une historiographie juive dans un État juif. » Merci beaucoup. Merci, Éléonore. C'était passionnant comme on s'y attendait. C'est à vous maintenant, si vous avez des... Oui, monsieur. Non, non, il faut attendre le micro parce que sinon, il y a une vidéo, vous voyez, et on vous entendra pas. Alors, j'essaie de contextualiser ce que vous dites. En effet, la Deuxième Guerre mondiale a été une tragédie internationale. Tous les peuples ont été impactés. Les Allemands ont eu des millions d'Allemands qui ont dû migrer des pays qui revenaient dans la sphère de l'Est en Allemagne. Ça a été, je crois, 6 millions, 8 millions. Le partage de l'Inde et du Pakistan a été aussi une tragédie puisqu'il y a eu des massacres et des mouvements de population. Donc la Nakba, il faut la contextualiser dans un cadre de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que des peuples ont été transférés d'une partie à une autre. Au jour d'aujourd'hui, si nous voulons sortir, je dirais politiquement, par rapport à cette tragédie, c'est d'offrir une perspective politique. deux États, deux peuples, deux terres. Donc ça, c'est un objectif essentiel. Il est important qu'il y ait en effet un regard de toutes les parties, hein, pas simplement une seule partie qui décide de faire la transparence sur son histoire. Il faut en partie l'ennemi, ami, partenaire futur fasse la même démarche. Et au jour d'aujourd'hui, c'est là la difficulté, c'est que dans l'espace proche-oriental, vous dites vous-même qu'Israël est encore une démocratie pour les Juifs, mais pour le bouleversement actuel, par rapport à la guerre, ce qui s'est passé en Syrie, hein, donc c'est quand même une réalité géopolitique. Et, il va falloir que la transparence se fasse aussi. Donc il est peut-être possible de lancer peut-être quelque chose qui dépasse même Israël, c'est-à-dire qu'il y ait un cercle international, un forum international qui organise des débats publics, comme vous faites, afin que toutes les parties se retrouvent dans le cadre de ce qui s'est passé, objectif réconciliation, reconnaissance de ces tragédies. Alors maintenant, pour finir, pour la question de vous dites, nous n'avons pas de limite pour le droit au retour. Ce droit au retour, il est quelque part négocié sur un spectre large. C'est la négociation, soit le droit de retour sec, c'est un droit formel et j'ai habité un tel endroit, je demande, ça vous pouvez le faire pour les pieds noirs aujourd'hui qui peuvent demander le droit de retour ayant existé, etc. Y compris d'autres peuples, hein, je veux dire, il y en a beaucoup sur la planète. Donc, et soit c'est le côté sec, et il y a aussi le côté compensatoire qui est prévu au niveau international. Et ça, il faut le dire. Si vous ne le dites pas, ça laisse la partie la plus extrême qui veut refuser ce droit de retour en disant, voyez, c'est ou nous ou vous, c'est vous savez, la valise ou le cercueil. Donc, il faut dire que le droit de retour est possible, comme pour les Allemands. Les Allemands ont eu des compensations pour ce pays de l'Est, hein, donc ils sont reconnus, ils sont compensés. Et tous les peuples qui ont subi un exode forcé, contraint, peuvent revendiquer un droit de retour compensatoire, qui permet d'éviter d'être bloquant. Voilà. Merci. D'autres questions, monsieur? Merci, madame. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes invité ou vous serez invité aux États-Unis pour discuter de votre livre? Je ne sais pas s'il y a une version anglaise, parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même une partie de jeunes Américains juifs, notamment dans le milieu universitaire, qui ne sont pas des inconditionnels de M. Netanyahou, de sa politique, ce qui provoque d'ailleurs un conflit de génération. Vous me corrigez. Et deuxième question, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous êtes invité dans une université, ne serait-ce que de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc? Est-ce que votre travail méritait aussi d'être connu de ce côté-là? Merci. Merci. J'avais vu un doigt là-bas. Voilà. Oui, bonjour. J'ai bien aimé votre propos sur l'essentialisation. Et du coup, ma question, elle est un peu en contradiction, mais je voulais savoir quel regard vous portez sur j'aime pas dire ça, mais les Arabes israéliens et leur rôle politique. Même si j'aime pas le côté essentialisation. Merci. Encore une question, et puis après, on donne la parole à Éléonore. Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment, avec Decolonizer, vous argumentez, vous justifiez en termes d'intérêt israélien et notamment d'intérêt sécuritaire, le droit au retour complet auprès des Israéliens. Merci. Voilà. Tu réponds? Merci, je suis très contente de toutes vos questions parce que ça me permet de revenir sur des points que j'avais pas eu le temps d'aborder. Donc merci beaucoup. On dirait que ça a été fait exprès. Alors je vais pour commencer par répondre à votre question. Il y a alors tous les peuples sont toujours impactés hein, historiquement. Voilà, vous l'avez rappelé. Sauf que je pense pas qu'on puisse normaliser les relations de pouvoir. C'est-à-dire que par exemple à Decolonizer, on parle pas de conflit israélo-palestinien. Parce que le conflit israélo-palestinien, le danger de ce genre de formule, c'est qu'on met les Israéliens et les Palestiniens à un même niveau et que finalement chacun devrait faire un effort. Et en fait, évidemment qu'il y aura des efforts à faire, mais pas maintenant. Pour l'instant, il y a un oppresseur et un opprimé, et mettre les gens au même niveau, c'est nier la violence structurelle du colonialisme ou de l'occupation. Donc nous, par exemple, on refuse de faire ce qu'on appelle des événements de normalisation où on mettra un juif et un arabe, alors que moi je suis juive arabe par ailleurs, enfin on en reparlera, mais on met un juif et un palestinien en leur disant « Allez, vous allez montrer qu'on peut faire la paix tous ensemble ». C'est une stratégie qui n'est pas la nôtre. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas la bonne stratégie, mais ce n'est pas la logique dans laquelle on est. Et surtout, recontextualiser la Nakba dans ce contexte très récent post-Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, puisque l'amitié, ou on va dire la collaboration, ou le fait qu'Israël ait pu exister, c'est aussi lié, s'appuie au soutien international, au vote de résolutions qui ont été permis par aussi un sentiment d'intense culpabilité qui régnait dans les pays blancs, hein, parce qu'il faut quand même dire que ce sont eux les responsables du génocide juif, et ça dit quelque chose aussi. Moi, les Palestiniens nous disent, mais pourquoi on paye ce prix-là, en fait? C'est pas nous qui avons... Nous, on vous a pas exterminé. Alors, c'est quand même... il faudrait quand même pas se tromper sur, évidemment, que c'est à voir au regard d'une injustice qui a été commise. Mais on répond pas à une injustice commise contre un peuple par une autre injustice commise sur un autre peuple, en fait. Et d'ailleurs, même, on répond pas à l'injustice commise par... le peuple allemand par une autre injustice sur les Allemands, en fait. Sinon, on ne sort pas du système, enfin, les anthropologues l'ont bien décrit, de vengeance, des cycles de vengeance constants. Alors, pour sortir, pour avoir des perspectives politiques, alors moi, je suis toujours fascinée par cette passion française sur le sujet deux États, un État. En fait, je crois que malheureusement, on n'en est pas là. Ce n'est pas du tout l'actualité. En termes de perspectives politiques, moi, j'ai une façon un peu comme ça de m'en sortir. Moi, j'ai deux positions là-dessus. J'ai une position philosophique et une position politique. Philosophiquement, je suis pour vivre ensemble, tout le monde ensemble, dans un État où tous les citoyens ont les mêmes droits et égalités. Et je suis aussi pour que dans cet État, le droit des Juifs à vivre en sécurité soit absolument non négociable. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que vont les discussions d'État. Moi, j'ai du mal avec la lexicographie binationale, parce que je pense qu'elle ne reflète pas la réalité non plus sur le terrain, puis qu'elle devrait être dépassée. Moi, je suis une internationaliste plus qu'une nationaliste, mais bon, c'est un autre débat. Et que ça, c'est ma position philosophique. Voilà, tout le monde a les mêmes droits sur un territoire, pas de déplacement, pas de Nakba, pas de seconde Nakba. Nous, on soutient le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens et de leur descendance. Cela ne signifie pas, et c'est aussi ce qui va expliquer les taux de soutien parmi le public israélien auquel on a posé la question, cela ne signifie pas que nous souhaitons le départ. Il ne s'agit pas de recréer à nouveau un autre peuple en déplacement. Il y a de la place pour vivre ensemble. Je crois que Salman Aboussita, un chercheur palestinien, a récemment écrit que, je ne me rappelle plus s'il dit 60 ou 70% des terres israéliennes ne sont pas habitées, en fait. Il y a de l'espace. Et les gens souvent me disent « Mais vous êtes fous, c'est tout petit Israël, comment on ferait ?» Moi, la question, j'inverse, ma réponse est une autre question. Si demain, 7 millions de Juifs décidaient de venir s'installer en Israël, on trouverait les moyens pour construire des quartiers, on trouverait des moyens pour construire des villes. C'est une décision politique. Après, je l'ai dit, Israël est une démocratie, virgule, pour les Juifs. Même ça, c'est en train d'être renégocié. C'est-à-dire qu'on avait jusque-là ce privilège dont on s'est bien servi par ailleurs, et c'est en train d'évoluer avec tout un ensemble de lois liberticides. Moi, je ne peux pas vous assurer que Decolonizer sera encore vivant en tant qu'organisation à Tel Aviv dans 2 ans. Parce qu'on est soumis à tout un tas d'injonctions, de menaces. Nous, on a des menaces de mort. Ce n'est pas notre lot quotidien, mais c'est quelque chose qui revient. On a par exemple la loi des ONG nous oblige à publier tous les financements qu'on obtient de l'étranger. Alors nous, à Decolonizer, c'est pas compliqué, on obtient tout notre financement de l'étranger. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en danger les organismes ou les personnes qui nous financent, puisque Israël a donc des noms. Alors on a trouvé une formule, hein, si vous voulez nous donner de l'argent, c'est possible, parce que nous avons créé les amis de Decolonizer France avec un compte en banque français, donc vous pouvez nous donner et vous serez protégés. Pas de limite sur le droit au retour. Je voudrais lire, en fait, moi, nous, c'est notre position, mais je voudrais vous lire la façon dont on a questionné les Israéliens. Parce que la question du droit au retour, elle est tellement complexe dans son acceptation israélienne qu'on s'y est repris à 3 fois. On a commencé une première question en 2015 et une autre en 2017. Et la question, c'était, voilà, est-ce que, dans quelle mesure vous, vous soutenez le droit au retour, etc., etc. On a eu des chiffres, on était genre à 28% des Israéliens qui soutiennent. On s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Dans notre formulation, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. On allait voir des spécialistes qui nous ont dit, non, les Israéliens n'ont pas dû comprendre. Ils ont dû se référer à l'acceptation, qui est celle dont on a parlé tout à l'heure, un certain nombre pendant un certain nombre d'années. Donc il a fallu qu'on y retourne en ayant le cœur net, et je vais vous lire, comme ça, ça va répondre aussi à votre question sur les compensations, la façon dont on a formulé ça aux Israéliens. En 1948, au moment de la guerre d'indépendance, on est obligé, hein, dans un contexte de sondage public, d'utiliser aussi un vocabulaire qui va être entendable par les sondés. Donc on ne va pas parler de Nakba dès la première ligne. En 1948, au moment de la guerre d'indépendance, la plupart des Palestiniens qui habitaient ce pays sont devenus des réfugiés et se sont dispersés dans le monde entier. Le droit au retour des réfugiés palestiniens fait référence au choix pour chaque réfugié palestinien et sa descendance entre un retour réel à l'endroit où il vivait ou non jusqu'en 1948 ou accepter un autre type de compensation. Ce type de compensation est à l'appréciation uniquement des Palestiniens et des Palestiniens. Ce n'est pas à nous de fixer un nombre de réfugiés qu'on pourra accepter, c'est aux Palestiniens de le faire. Par conséquent, la reconnaissance du droit au retour pourrait signifier que plus de 7 millions de réfugiés palestiniens, on y allait, on a tout mis, quoi, comme ça, choisiront de revenir dans ce pays. Dans quelle mesure soutenez-vous ou êtes-vous opposé au droit au retour tel qu'il est présenté ici ? Pour essayer de sortir d'un truc un peu binaire, oui je soutiens ou non je soutiens pas, et qui va encore répondre à l'autre, une autre de vos remarques, les réponses qui étaient proposées étaient celles-ci. Je suis tout à fait d'accord avec ce soutien, relativement plutôt d'accord, opposé, très opposé, et un dernier choix qui dit le vocabulaire qu'on a utilisé avec les Israéliens et qui est une clé pour comprendre les résultats. D'accord, à condition que les Israéliens et les Palestiniens, réfugiés inclus, puissent vivre en paix ici. Pourquoi? Alors les taux, pour vous dire tout de suite, 16,2% des juifs israéliens, avec cette formulation, ont répondu qu'ils soutenaient. C'est énorme, c'est énorme. Je rappelle qu'il ne s'agit que des juifs israéliens. Si on ajoute la population non juive et essentiellement palestinienne en Israël, il n'est pas utopique d'arriver à un chiffre de 30%. 30%, c'est des conditions pour négocier. Ce n'est pas une minorité de personnes. Je pense que pourquoi on a eu ce taux-là, pour vous dire la vérité, on avait réuni des experts et on avait fait des pronostics. Et on était à 4-5%. Mais combien disent la dernière réponse? Alors, sinon, on... ouais, c'est lié. Alors, hop, condition 13,2%. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Dans une société qui est complètement... Oui, si, ça fait 29, c'est ça, les deux. Non, en tout, on est sur 16,2... Non, quand tu additionnes ouais. La première réponse à la dernière. On est sur, oui, on est sur un peu plus de 16,2, mais parce qu'on a on peut inclure les plutôt favorables. Il faut voir ce que les gens mettent derrière. Mais là, c'est avec l'acceptation de la définition du droit au retour. Ce que ça signifie, c'est que pourquoi on a ces taux-là, en fait? Pourquoi on n'a pas 5% alors qu'on a une société la plus, qui semble s'extrême droitisée, qui semble plus bouchée que jamais? Bah, la seule réponse qu'on a à vous apporter, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est notre seule hypothèse, c'est que ça dépend de la façon dont on s'adresse aux Israéliens. Quand on leur dit « leur retour, c'est votre fin », bah, les Israéliens, ils sont comme tout le monde. Ils disent si c'est eux ou nous, bah, c'est nous. Et quand les Israéliens sont inclus dans les propositions, c'est-à-dire pour le retour des réfugiés palestiniens, ce qui ne signifie pas votre déplacement, à ce moment-là, bah, les Israéliens sont encore, je suis désolée de dire qu'ils sont comme les autres, mais ils commencent à avoir une possibilité de faire partie de ces négociations-là. Et on a des exemples souvent de discussions avec Eitan dans des universités ou dans des groupes de jeunes qui sont résolument hostiles au droit au retour. Et quand Eitan fait cette suggestion, les gens commencent à dire « Ah, alors peut-être que notre intérêt aussi peut être représenté. » Parce que quel est l'intérêt des Israéliens à la décolonisation? Bah c'est ce qu'on explique aussi dans un des chapitres à l'aide de Derrida et du concept d'hospitalité. La fin de la propriété exclusive, ça veut dire aussi le partage des responsabilités de la sécurité. Si vous m'invitez chez vous pendant 3 jours, vous allez vous sentir obligé de faire des efforts. Vous allez me préparer des repas, vous allez faire en sorte d'être présent chez vous. Si on vit ensemble, vous n'êtes plus obligé, c'est mieux, mais vous n'êtes plus obligé d'avoir cette attention entre l'hôte et l'invité. Il y a un partage des sécurités. Si on est responsable ensemble, je suis aussi responsable que vous de la sécurité de cette maison. Ensuite, est-ce qu'on est invité aux États-Unis? C'est en train de se préparer. Je crois que, par contre, ce qui est extrêmement positif aux États-Unis, c'est que les communautés juives, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de la communauté aussi, les communautés juives qui étaient décrites il y a encore 10 ans comme se levant, comme un seul homme, parce que c'est aussi une rhétorique sexiste, pour soutenir Israël, en fait, c'est en train de se craqueler. Et puis, de plus en plus de jeunes juifs ne se reconnaissent pas, en fait, dans ce qui est mené. Et je pense que c'est quelque chose vers lequel on peut regarder avec beaucoup d'attention. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri. En fait, les communautés en France, pareil, elles répondent à d'autres injonctions de soutien à Israël. Mais en fait, la majorité des juifs français, on ne les entend pas. Le CRIF ne représente que lui-même. L'UJFP ne représente pas beaucoup plus, à mon grand désespoir. Et au milieu, entre l'UJFP qui soutient BDS et le CRIF, il y a tout un tas de gens qu'on perd. Et la majorité est silencieuse. Et on l'a dit tout à l'heure, de la même façon qu'en 1945, les Français sont tous réveillés résistants, il n'est pas impossible de penser que dans les moments où les situations, ce sera moins difficile pour les gens d'admettre leur position politique, ils soutiendront. Et dans le dernier film qu'on a produit, que vous pouvez voir sur YouTube, c'est ce que ça dit aussi. Les gens ont peur d'exprimer clairement leur position, mais parce qu'ils ont peur de se faire virer, parce que tout le monde ne fait pas le choix du militantisme professionnel. Il y a des gens qui ont un travail et qui ne peuvent pas se faire virer de leur école ou de leur journal, et donc ils sont obligés de ne pas dire tout ce qu'ils pensent. Mais s'il y avait un espace où la peur n'était pas sur ces citoyens-là, on découvrirait sans doute, parmi les Juifs en France aussi, que les gens ne sont pas d'accord avec ce qui est fait en leur nom. Je pense que c'est très très important. L'Afrique du Nord, Inch'Allah, mon rêve. Mon rêve. Mon rêve. Moi, ma mère est algéro-alsacienne, c'est un rêve d'une vie d'aller en Algérie. Donc... invitez-moi, je viendrai. Et ensuite, sur les Arabes israéliens, alors, je ne voudrais pas avoir la chieuse du vocabulaire, mais je pense qu'on a un devoir de précision rhétorique très important. Nous, on ne parle pas d'Arabes israéliens, on parle de Palestiniens en Israël, parce que le terme arabe israélien, au départ, je ne dis pas que toutes les personnes qui l'utilisent portent cette charge, bien évidemment. Hein. C'est comme quand on dit conflit israélo-palestinien, toutes les personnes qui utilisent conflit israélo-palestinien ne sont pas normalisateurs, bien évidemment. Mais arabe israélien, c'est une rhétorique sioniste, en fait, qui sépare les Palestiniens, seraient ceux qui vivent à Gaza et en Cisjordanie, puis ceux qui sont restés sont nos Arabes israéliens, en fait. Et nous, en tant que militants anticolonialistes, on préfère utiliser ce qu'on appelle l'autonomination, c'est-à-dire que quand les acteurs se définissent par un terme, on essaie de respecter le terme qu'ils utilisent pour se définir, donc Palestiniens en Israël et pas d'Israël, parce que pareil, ils appartiennent pas à Israël. Alors les Palestiniens en Israël, c'est intéressant parce que ce sont ceux qui n'ont pas été expulsés en 1948, en fait. Ce sont ceux qui, pour tout un tas de raisons, se sont retrouvés dans les frontières du futur État qui allait devenir Israël. Les premières années, ces Palestiniens israéliens, ils ont été sidérés par la violence de l'occupation. Je rappelle que personne ne pouvait imaginer qu'on allait déplacer 750 000 Palestiniens et Palestiniens et qu'ils n'allaient pas pouvoir revenir. D'ailleurs, les pays arabes ont alimenté ça en disant aux Palestiniens, vous inquiétez pas, dans 3 jours c'est réglé, vous allez revenir chez vous. Un jour, on interrogera aussi la responsabilité des pays arabes et des collaborations arabes, hein, parce qu'on sait maintenant avec les nouveaux historiens qu'il y a eu des accords signés par exemple avec la Jordanie. Donc un jour, on aura peut-être voilà, on plongera là-dedans et ça fera peut-être pas, ça sera peut-être pas du luxe. Les Palestiniens en Israël, c'est des identités extrêmement complexes aussi, parce que il y a des Palestiniens qui sont là parce qu'ils ont collaboré en 48, d'autres Palestiniens qui sont là parce qu'ils ont été expulsés d'autres endroits, d'autres qui ont pu rester parce que pour tout un tas de raisons en fait. Il n'y a pas une sociologie des Palestiniens en Israël. On a vu que les générations qui ont maintenant 60 ans, les gens qui ont à peu près 60 ans, ils ont été dans un modèle d'intégration, d'assimilation. Donc c'est aussi eux, beaucoup, qui se sont définis comme arabes israéliens, qui ont parfois pas enseigné l'arabe à la maison. Ça a été, par exemple, le choix des écoles. Les écoles palestiniennes en Israël, l'enseignement est essentiellement fait en hébreu. C'est un choix qui a été douloureux pour les communautés palestiniennes parce qu'il fallait faire le choix entre donner aux enfants la possibilité de poursuivre des études, mais en même temps, ça veut dire que l'arabe est en train, la langue arabe est en train de perdre pied, ce qui est renforcé par le fait qu'Israël a enlevé au statut de l'arabe une langue officielle. Et ces Palestiniens en Israël, il y a maintenant ce qu'on a un reclaim en fait de la palestinité chez les jeunes générations, par exemple, qui n'hésitent plus à faire référence à 48 et pas à 67, qui ont des t-shirts et avec tout un tas d'organisations, notamment Hadrid et Badil, qui ont beaucoup fait pour politiser la question des Palestiniens de l'intérieur et les réintégrer à la question palestinienne générale. Juste pour vous dire qu'il suffit d'aller voir Wajib, et le dialogue entre le père et le fils dans Wajib, tout ce que tu viens de dire s'y trouve. Une remarque et une question. La remarque, c'est quand même, parce que je ne veux pas ne pas le dire, parce que ce serait malhonnête, on ne peut pas mettre tous les réfugiés de l'après-Seconde Guerre mondiale dans le même sac. Les populations allemandes de Pologne ou de Tchécoslovaquie, qui ont été expulsées dans des conditions épouvantables, ça c'est évident, elles ne l'ont pas été par hasard. Il y a eu une collaboration intense des deux côtés, de milices allemandes de souche, comme on disait, Volksdeutsch, aussi bien en Pologne que dans les Sudètes, et c'est ça qu'ils ont payé. Alors, c'est évidemment toujours injuste quand on déplace des gens comme ça, mais enfin, ce n'est pas complètement par hasard la collaboration allemande des Allemands de souche polonais ou des Sudètes était quand même un phénomène très important qui a beaucoup aidé les nazis à conquérir ces pays. Enfin, on ne peut pas oublier ça. Les Palestiniens n'ont rien à voir avec ça. Ça leur tombe dessus, ils n'ont aucune responsabilité dans rien du tout. Et ça se fait en violation de la résolution de partage de l'ONU, qui n'a pas autorisé l'expulsion ni des Israéliens ni des Palestiniens. Donc on est quand même dans deux situations assez différentes. Ma question, c'est pas ça, c'est pas tout à fait le sujet, mais en même temps, comme tu l'as abordé et que la question était posée, moi je suis frappé, je ne vis pas là-bas comme toi, mais j'y vais quand même 2-3 fois par an. Je trouve effectivement qu'il y a une contradiction dans laquelle nous vivons pour l'analyse au moins, et toi pour la vie. C'est que c'est indiscutable qu'il y a une droitisation de la société israélienne sur la longue période, en tout cas depuis 2000 de manière très nette. Mais en même temps, quand on regarde toute une série de faits, y compris de sondages, on s'aperçoit que fondamentalement, les rapports de force n'ont pas beaucoup bougé. Il y a toujours une majorité petite d'Israéliens qui pensent que quand même 2 États, c'est pas mal. Bon, ça, ils ne sont pas pour diviser Jérusalem, ils ne sont pas pour le droit au retour, tout ce qu'on veut, mais quand même, cette idée-là, elle reste, ça n'a pas bougé. Et je suis frappé, alors ça me paraît très important, par le refus très majoritaire de l'annexion, de manière systématique, et contre l'avis, alors là, clairement, du gouvernement et des principaux chefs de file, notamment Bennett, Regev, dont tu as parlé, Shaked, etc. Donc, je me demande au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, comme chez nous, comme en Allemagne, comme etc., n'est pas directement lié à l'absence d'alternative politique. Ce qui fait cette droitisation, ce n'est pas une conviction, c'est le constat qu'il n'y a pas d'autre conviction, qu'il n'y a pas d'autre force politique porteuse d'une alternative, quelle qu'elle soit, mais une alternative à la situation d'impasse sanglante actuelle. Et ça, je crois que ça vaut réflexion, parce que quand on dépasse un tout petit peu cette zone-là, on voit que la vague populiste, elle est systématiquement en vigueur, avec beaucoup de force, partout où il n'y a pas d'alternative. C'est la question d'alternative qui est la clé fondamentale, au-delà du détail de toute une série de choses, c'est la clé, quoi. Et je pense que c'est très important, parce que sinon on a une vision presque désespérée, quoi. Si c'est pas ça, si vraiment les gens sont partis à la dérive dans le sillon de tous ces gens qui sont des fascistes ou des néofascistes ou des ultranationalistes, alors là, qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, à part se prendre des cordes et se pendre? Ce que visiblement vous ne faites pas. Ce n'est pas l'ordre du jour. Non, pas encore. Merci Dominique. Bah, je suis complètement d'accord. Je pense que la montée des nationalismes en Europe, hein, enfin, le dire. Et d'ailleurs, ça sera intéressant d'analyser le rapport d'Israël et de Netanyahou à ses dirigeants européens d'extrême droite. Je rappelle que Netanyahou a quand même signé un document qui absout la responsabilité polonaise des crimes de la Shoah. C'est une insulte qui est faite à notre histoire juive. C'est une insulte. On foule des pieds nos morts. Et c'est aussi, je pense, un argument qui doit être développé sur cette distinction constante en ce que... Et Dominique le sait mieux que tout le monde, entre judaïsme, sionisme, antisémitisme, bien évidemment, pour reprendre le titre de ton dernier ouvrage, mais cette distinction, le sionisme, ne, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas un refuge ou une mise en sécurité des Juifs. Au contraire, le sionisme, en tant que projet colonial, nous met, nous Juifs, en difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, la montée de l'antisémitisme en France, qui est réelle, les Français n'ont pas attendu Israël pour être structurellement antisémite, hein, je le rappelle. Mais par contre, le projet colonial vient nourrir cet antisémitisme. Et donc, on a des gens qui, par refus de ce qui se... par dégoût de ce qui se passe, vont du coup essentialiser. Alors, c'est les Juifs. Puis ça, c'est déjà bien enraciné en France. Et en fait, il n'y a pas meilleur ami de l'antisémitisme que le sionisme. On le voit avec cette extrême droite au pouvoir qui vraiment crache sur la mémoire de nos morts. Je rappelle quand même que Netanyahou, il y a peut-être un an maintenant, a déclaré tranquille à la télé qu'en fait Hitler, c'était pas un si mauvais gars que ça, que le vrai responsable, c'était le moufti de Jérusalem, et la boucle est bouclée. Le Palestinien... Voilà, c'est ça, le moufti. Alors, les historiens sur la période savent que voilà, c'est historiquement pas recevable. Mais la boucle est bouclée, le Palestinien est le nouveau nazi. Et donc, pour éviter une seconde Shoah, nous devons écraser les Palestiniens. Alors ça, je pense que, et je suis complètement d'accord, les Israéliens se tournent vers... la droite dure, parce qu'elle représente la seule alternative qui leur est offerte. Le camp de la gauche israélien est mort, alors bien mort, enfin ou en mort cérébrale, je sais pas. Michel Warshawski disait, alors d'abord j'ai dit qu'il était malade, après dans le coma, après dans un coma profond, après bon bah il est mort, ça y est, hein, va falloir qu'on fasse quelque chose. Et je pense que effectivement le problème vient aussi de nos forces de contestation sur le terrain, où nous sommes extrêmement minoritaires. Nous sommes, une amie disait, vous êtes la minorité de l'opposition de la plateforme A du groupe 2, quoi. Enfin, un truc voilà, super petit, et qu'en fait, on n'a pas le pouvoir. J'aimerais vous dire le contraire. Je rêve de vous dire le contraire, mais nous n'avons pas le pouvoir depuis l'intérieur de faire bouger les choses. Au maximum, nous pouvons être des relais de la pression internationale que vous pouvez exercer sur Israël. Et c'est ce qui explique que, parce que les Israéliens sont comme tout le monde, ils préfèrent théoriquement la paix à la guerre, mais ils ne sont pas prêts à la décolonisation. C'est-à-dire que la paix, c'est devenu un mot un peu tarte à la crème, là, où on peut être pour la paix et pour occuper Jérusalem-Est, par exemple. C'est quand même très étrange. Et donc, du coup, les gens veulent la paix parce que tout le monde préfère vivre en paix, mais ils ne sont pas prêts au sacrifice. La paix, ça demande des sacrifices, en fait. Alors le problème, c'est qu'on est dans une société qui refuse le sacrifice. Et nous, c'est aussi tout notre travail sur le droit au retour, c'est de montrer l'intérêt aux Israéliens qu'ils ont. On a un intérêt à ne pas envoyer nos enfants faire la guerre pendant 3 ans. On a un intérêt à ne pas vivre constamment en se disant... moi, je me suis levée ce matin, j'avais pas vu ça hier soir, en apprenant que le pays qui est censé me représenter vient encore une fois de bombarder Gaza, et en particulier Khan Younes. Et en fait, je le disais tout à l'heure, cette mort. On est quand même dans une situation où personne, à moins d'être un idéologique, vraiment, mais personne n'est heureux de ça. Et, on parle souvent, je finirai avec Albert Memmi encore une fois, mais j'aimerais insister sur l'inconfort du colon de gauche. Parce qu'en fait, le colon de droite, il se pose moins de questions. C'est plus facile pour lui. Le colon de gauche, il est tiraillé entre sa propre, son propre idéal politique et le fait que quand même, il est l'un d'entre eux. Et donc vraiment, croyez en notre force à tous à être des colons, à accepter le fait qu'on est des colons, à reconnaître ce privilège colon, mais à ne pas devenir des colonialistes. Et pour ça, je finirai là-dessus, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de la pression internationale. C'est aussi pour ça qu'à Decolonizer, dès le départ, on a eu deux cibles d'audience, c'est-à-dire la société israélienne, on travaille en hébreu, et vous, la communauté internationale, on travaille en français, en anglais, parce que c'est d'abord c'est vous qui êtes venus foutre le bordel chez nous. Excusez-moi. Et c'est aussi à vous, vous allez devoir répondre. Pas vous, je parle d'un vous politique, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et donc, il va falloir mettre pression sur vos entreprises, sur vos universités, pour arrêter de normaliser les relations avec Israël, pour arrêter de vendre la vitrine culturelle d'Israël, qui est par ailleurs extraordinaire, mais qui sert de vitrine à un système d'oppression. Et on a besoin de vous. Merci. Merci beaucoup.